Non, on Academy, c'est l'émotion. Mais il en manque un, il y a une chaise de vide. Mais qu'est-ce que c'est-il? Mais où est Mister Bide? Où est Laurent Tufel? Écoutez, très heureux d'être là avec vous, Jean-Marc. Ah, les imitations, ça s'arrange de jour en jour. C'est juste merveilleux. Justement, je sais que Mr. Bid m'a imité toute l'année, alors pour cette dernière, j'ai voulu venir vous faire un petit cadeau. Ouais. Oui, j'en discute avec ma femme. Ce garçon est complètement fou. Merde. Il va mettre le feu au plateau. Vous avez des mails, peut-être? Oui, justement, j'en discute avec ma femme. Vous savez, d'abord, je voulais vous dire, ma femme adore votre émission. Hein. Elle vous adore vraiment. Et elle me posait une petite question. Est-ce qu'elle trouvait que les chroniqueurs étaient un peu terrorisés? Vous savez pourquoi ils sont terrorisés? Non, dites-moi. Cécile, vous avez une idée? Non, on peut être blonde et avoir des idées. Hein. Vous n'êtes pas une exception. Il se lâche aujourd'hui. Je vous fais pas des clins d'œil, hein, c'est que j'ai un problème à l'œil. Oui, mon chat. Toute bonne vanne en une fois, quel dommage. Il les a tout gardés pour la dernière. Ah ouais, j'ai un toutou, toutou, Willy. Je me suis encore assis dessus. Ah merde, Willy. Willy. Et là, voilà. Bon, vos mails, parce qu'on va être super à l'amour, là. Les mails, alors, c'est moi qui m'occupe de ça, alors voilà. Écoutez, on a reçu un mail de Madame Morandini de Marseille. Ah, ça a un lien avec vous? Oui, peut-être, ça dépend de ce qu'elle dit. Elle nous dit, vas-y mon fils, explose la blonde et détruis le beau gosse en début d'émission. Attends, explose la blonde, c'est dans quel sens? L'année prochaine, tu seras encore là. Voilà, on a un deuxième mail. On a un deuxième mail de Madame de Minibus de Normandie, hein, comme dirait ma femme. Vas-y ma fille, ris à ces blagues et pose pas trop de questions. L'année prochaine, tu seras encore là. Et on a un mail de Madame Bide, hein, qui nous écrit, elle nous dit, courage mon fils, la France t'adore. Voilà, bah, le tout c'est de le croire en fait. Voilà, c'est ça. Exactement, alors, merci Jean-Marc. C'est vrai qu'au fur et à mesure que la saison a avancé, vous êtes arrivé comme un chroniqueur sérieux, vous vous êtes transformé en Mr Bide. Oui. Faut dire que vous l'avez cherché. Je l'ai, non mais c'est vrai que j'ai cherché. Mais vous l'avez cherché. Vous l'avez un peu cherché, Laurent. J'avoue. Et on a des images. Oh là. Regardez. Tout de suite, on accueille celui que les chaînes de télé du monde entier nous envient. Le seul, l'unique, Mr Bide. Merci, Jean-Marc. J'adore. Quel succès. Ils ont offert des bières, des canettes de bière, en fait, accompagnées d'un verre. Non mais c'était pas une blague. Il m'a chargé de vous remettre ce guide, Jean-Marc. Là, vous voyez pas, c'est trop loin. Hein, je pense non. Il oserait pas. Ça n'est pas le style. On découvrira l'intégrale du personnage pendant 5 soirs cet été sur M6. Voilà, c'est super. Ah. Non mais c'est vrai. Mais je vous donne les infos qui viennent de tomber. Vous les donnez comme elles arrivent. Il le vend bien. Oh mon Dieu. Allez. Il n'y a même pas d'applaudissements. C'est terrible. Ils sont terrible. Non mais partez pas, ça va bien. Restez. Donc voilà, bravo les stars chez TF1. Très bien. Non, alors là c'est gratuit, là, Jean-Marc. Normal. Puis avec ce genre d'émission, vous n'êtes pas couché. C'est pas chez nous que ça va arriver, ça. Voilà. Bon, écoutez, j'y vais. Oh, on va pas chipoter, non? Tout simplement, voilà, que ça se passe pas... Non mais on s'en fout, l'important c'est que voilà, comment elle s'appelle, elle se casse, et voilà, on la verra plus. Allez. Et c'est un privilège de vous le dire, on apprend que ce soir, c'est la 800e. Étape
véritable bonheur de voir qu'il a grandi. Non. Oui, ben justement, je pense que Béatrice voulait dire mûri. Mais bon, voilà. D'accord, ça c'est fait. Premier bide. J'ai décidé de faire la grève de ne pas être drôle aujourd'hui. C'est le 1er avril. J'en ai marre. Ce qui nous aurait surpris, c'est le contraire, que vous soyez drôle. C'est dégueulasse. J'imagine que ça doit être lourd de se faire appeler comme ça. Mais pas du tout. Puis pourquoi pas interdire les appels masqués et puis les balles masquées. Ohé, ohé. C'est très bien. Il arrive. Mais petit à petit, à chaque fois. Non. On y arrive. Voilà. Ah, c'est pas facile. Pas facile. Bon, voilà, vous avez le temps de l'émission qui commence jusqu'à 19h50. Oh, on va pleurer de rire. Pour une fois qu'il fait pleurer une fille, on va reparler de tout ça dans un instant. Tout de suite, voici le zapping. Il est signé Pierre Bandin-Sauviac. C'est parti.